C'est parti, la grosse hype. Ça fait au moins un mois que j'ai envie de jouer. Alors, luminosité. Ok, bon, je pense au milieu c'est le mieux. Contraste, OSF. Allez, c'est parti. Ça va être du slow play. Je vais pas me précipiter. C'est pas mon genre, surtout dans un jeu que j'ai attendu aussi longtemps. On va jouer cool. On va quand même rush un peu les premiers niveaux parce que voilà, on les a déjà fait 50 fois dans la démo. Merci. Aïe aïe aïe. À mettre quand même prêt hein. Mode graphique cimer, mais du coup quand je fais de la qualité voilà non, on va rester en privilégié des performances 1080 c'est large suffisant ça le jeu va nous l'expliquer volume de la musique volume des voix. Normalement, c'est pas très fort. Le son du jeu n'est pas très fort. On entend ma voix, quoi. C'est parti. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré les temps de chargement aussi? Ça a l'air. Ça a l'air assez immédiat. Ça, on aime. I can hear you. Geppetto's puppet. Geppetto's We puppet. need your help. We need your help. Bam bam. C'est joli, c'est bien optimisé. Là on parle. Ah ça y est, ils ont enlevé le fait que la caméra en fait. Je vérifie quand même un ou deux trucs. La caméra, elle me paraissait un peu lourde pendant le ajuster. Ça, on s'en fout. Tremblement de la caméra, pourquoi pas. Si c'est l'immersion. Vitesse de mouvement, on va mettre du 6 et du 6. Un minimum, parce que. Faut que je puisse me retourner vite là. Je me tâte le build. C'est maintenant que je vais devoir choisir un build. Le truc c'est que le build, j'ai envie de prendre un build physique, enfin physique, un build force. Mais il y a un problème, c'est que la première arme qui donne en force, le moveset, il pue la schneck. Il pue la schneck. Le moveset, il pue, donc c'est un peu relou. Vas-y, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Jiminy, please escort him to the hotel. Ok. Utiliser la ceinture, oui. Bien joué à la démo, t'inquiète. Let's get you out of there. Find something that might help. En vrai, ça se passe en France. Enfin, en tout cas, dans un truc qui ressemble à la France. J'aurais bien joué comme dans Sekiro avec les voix françaises. Bon. C'est toujours les mêmes armes, du coup, c'est toujours les movesets un peu claqués au sol. Mais pour avoir vu les armes physiques force dans les trailers, je pense que ça va partir into force. Équilibre à la limite. Équilibre, comme ça j'ai le temps de choisir. Je crois que le moveset de équilibre il est mieux. Ah, mais force, frère. Le truc c'est que force, l'épée elle est. Elle pète facilement les armes, c'est marrant ça, je trouve. Vas-y, c'est bon, c'est bon. On va pas réfléchir 50 ans. Putain, par contre, j'ai joué à des jeux là dernièrement où on attaque avec carré et triangle. Donc je vais sûrement un peu de choc au début. Donc tranquille. Ouais, la caméra elle est trop rapide en vrai.
quand on est dehors. Non, non, c'est bon. C'est pas non plus Sekiro pour le moment. Donc on va juste ralentir un peu la caméra. Voilà. On va un peu apprécier, même si j'ai déjà joué, mais bon, les décors, tout ça. Il est beau. Dommage que je ne peux pas aller là-bas. On dirait qu'on peut y aller, mais je spoil tout de suite, on ne peut pas y aller. Ça marche, on va passer un bon petit séjour à Kratz. Je suis chaud, je suis ultra chaud. Vas-y, on va faire un petit peu des parades. Viens là, toi. Toujours pas. Mon moveset il est vraiment pas ouf, hein, bref. Tiens, tiens, que se passe-t-il? Oui, oui. Sortir tout de suite. Garde. Bon. C'est pas du jeu, mais c'est Jack qui a un coquin ici. Voilà. Ensuite, toi. Oui. Ah, j'ai l'impression qu'il tape plus fort que dans la démo. Je sais pas où c'est moi. Coucou. Ah, ils ont amélioré le l'animation. En tout cas, les éclats quand on fait une garde parfaite, c'est nice. C'est nice. Ça donne encore plus envie de faire des gardes parfaites. On est hyper. On est hyper. J'aimerais bien... Je vais sûrement jouer longtemps, mais j'aimerais bien découper le stream en plusieurs... Ouais, bah je ferai un montage, c'est pas grave. En plusieurs chapitres, genre. Mort de rire. Il se calme, le bougre. Non ? C'est bon, il est mort, frérot. Ça. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez. Et surtout, restez loin de la salle d'attente. J'y ai vu une énorme marionnette battre à mort des gens. Bah écoute, c'est là que je vais en fait. J'ai verrouillé la porte, mais j'ignore si cela va fonctionner. Au moins, on devrait empêcher les gens d'entrer par hasard. Je vais bientôt mourir. Hein. Ok. Bah écoute, frérot. On va au moins essayer de... ruer. C'est marrant parce qu'on a un là. Boum. Et normalement. Coucou.
Oh. Ouais, ça t'attaque. Je vais jamais réussir à la. Ah ouais, jamais réussir, non, mais. Il met trop de temps à taper. Ok, ok. On arrive, on arrive. Yes. Boum. Boum. Bon. À nous deux. On va essayer de péter son arme si on est chaud. Faut encore tester les esquives. Déjà, faudrait que j'arrive à esquiver. Oui, oui, en plein combat après. Nice. Oh, bien rouge. Stupéfiable, ils m'ont sorti. Frérot, c'est bon. Après, voilà, c'est le tuto. En vrai, il n'y avait pas de tuto comme ça au début. C'était compliqué de voir si oui ou non. Je vais lui mettre un coup de poing pour finir. Mais c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté peut-être, qu'ils ont amélioré un peu l'esquive. Possible. Déjà, ils ont amélioré un peu le tuto au début. Après, une fois qu'on le sait, on le sait. Mais beaucoup de gens, pendant la démo, passaient à côté de l'effet qui s'appelait avant, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais en anglais, ça s'appelle groggy. Maintenant, ils ont changé à stupéfiable. D'accord. Là, la démo, je l'ai fait 4 fois déjà, donc tout ça, voilà, je suis un peu pressé. Ok, juste, j'ai pas fait un truc que je vais, voilà. Objet utilisable, sac supplémentaire, boum, adaboum, boum boum. Voilà, bon, c'est parti. Ouais, le précise quand même au début. Hein. Plein de gens râler parce que ouais, au début on peut monter niveau que au Stargazer et puis après on peut plus nananina. Mais en vrai, elle explique dès le début qu'on pourra pas le faire tout le jeu. Bon, monter de niveau. Déjà, on va augmenter les dégâts. Progression, c'est quoi? C'est vrai, Légion, c'est pas mal en vrai, mais. Capacité aussi. Ok. Let's go. On va augmenter la Vita, comme ça, on peut un peu prendre des risques. Tu fais jouer un truc? Non, bah non. Bah non, parce que j'ai pas la version de luxe. Je me demande s'ils ont corrigé 2-3 trucs. Ah, c'est pas des trucs de fou, mais. Genre là, bon là, il y a de la terre, pourquoi pas. Là, c'est toujours des petits murs invisibles, bon. Pas même plus juger le jeu à fond, mais bon.
Ouais, j'allais dire, il y en a un là aussi. K.O. C'est vrai que là, ils arrivent à plusieurs. Les boum. C'est un jeu de lecture ou bref, vas-y, on va le lire. On va le laisser un petit peu. Cette décision était prise pour protéger les habitants en attendant que la frénésie des marionnettes qui a paralysé la ville soit maîtrisée. Voilà pourquoi il y a des marionnettes qui. Tadadadadada. Cet incident a commencé dans la rue Rosa Isabelle, faisant des centaines de blessés. Si l'on en ignore encore les causes, la quantité de blessés et l'ampleur des dégâts ne cessent de croître. Alors que la crise se prolonge, l'atelier et l'entreprise Vinini, la plus grande usine de marionnettes de Krat, a annoncé qu'elle allait fournir du matériel d'urgence aux citoyens et faire tout son possible pour aider à résoudre la situation. Encore un pavé. Un groupe de travail enquête sur la possibilité d'une perte irréversible du grand contrat, le protocole de contrôle des marionnettes de l'atelier. J'avoue que j'ai très mal lu là, mais bref. Mais il n'y a pas de solution miracle pour l'instant, alors que la frénésie des marionnettes fait de plus en plus de victimes. Ok, la ville se prépare à une recrudescence de la pétrification, et les habitants sont encouragés à rester chez eux par mesure de sécurité. Malgré cela, beaucoup tentent de fuir par la gare centrale de Krat, contribuant à empirer le gâteau général. Ok. On avait plus ou moins compris. Juste en regardant un peu l'état de la ville. Oh. Ah, il est là. Avec leur attaque de 20 ans à Pop. Ah bah bop 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 bop. Et coucou. Ah, y'a un dogo. Je vais pas péter son arme là. Faut qu'il redescende le bougre. Faut qu'il redescende. Alors depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mais je suis passé par le. Comment ça s'appelle? Par le Stargazer, du coup il n'y a pas eu de. Comment dire? Ouais, ouais. J'allais dire, mon arme elle s'est pas encore pétée, mais c'est normal. Peut-être qu'ils ont aussi rallongé la durabilité. C'est probable aussi. Là ils ont amélioré ça un petit peu aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on récupère aussi plus de vie quand on tape. Dans la démo, après, ouais, non, si, j'ai fait que des builds. J'ai fait tous les builds, mais j'ai surtout fait du build physique, donc pas de raison. Avant de quitter la belle gare. Bah, la statue, elle a une carte, genre. Elle va capter ça. Et que nous dit la statue? Elle tient le coup. Un humain, hein. Une petite poupée, genre, c'est bizarre. Une petite marionnette. Ok, voilà, bah il y a l'hôtel. On y va, on y va. Welcome to Krat. Combien de trucs écrits en français, en anglais, ils savent plus. Genre. Thank you.
vraiment over the top les, les critiques. C'est nice, ok. C'est cool. Je l'avais complètement zappé. Arrête de bouger. Ça va que... Ils sont quand même beaucoup moins chiants que les chiens de Dark Souls. Et quand je le dis comme ça, c'est une bonne chose. C'est bon, les chiens de Dark Souls, frérot. Ennemi le plus dur, peut-être tout Dark Souls confondu. Abusé. Ouais, bah ouais, c'est un problème passager. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, alors ici, avant, il y avait une grille. Maintenant, il y a ça. En vrai, ça a plus de sens. Voilà, les gens, ils ont voulu se barricader. Mais genre, au pire, ne faites pas ça. Ou alors peut-être qu'à un moment, ça va s'ouvrir. Et que ça va mener vers un autre endroit, genre. J'ai des doutes. Ça serait stylé, genre, ça serait un 9 sur 10. Mais j'ai des doutes et j'ai l'impression que c'est juste mis là. Alors que voilà, là, le truc, c'est que... Si c'est pas le cas, peut-être je trashole pour rien. Le jeu nous invite à regarder vers là. Il nous invite. Voilà, il y a des trucs jolis à regarder. Il nous invite à regarder. Il nous invite presque à y aller. Et en fait, voilà. Donc j'espère que c'est un mur invisible qui saute à un moment. Sinon, c'est très dommage. En vrai. Ah, le poteau. El poteau. Je fais trop le mec, mais ouais, en même temps, c'est la démo, je l'ai déjà fait. Ça va changer. Là, je marche tranquille. Quand on va arriver dans les zones que je connais pas, ça va partir une tour. Full flippette. Attends. Partager le stream. Boum. Boum, boum. Voilà, boum. Boum, boum. Ça va partir une tout full flippette quand je vais... Autocrat. Oh, Gemini, là, faut arrêter la fumette. Hein. Ta voix. Oui, là-bas, il y a quand même l'air d'avoir des trucs. Hein. Bref. Bon, ici. Faut faire attention, parce qu'il y a un mec qui nous tire dessus, là-bas. Hop, hop. Ouais. Plus d'armes. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien du tout. Là j'ai choc, je voulais accélérer. J'ai appuyé sur R1. Là pour le moment je choque pas parce que je connais le niveau, mais il y a un moment, ça va choc. Est-ce que... Vas-y. Vise le chien déjà frérot, merci. Est-ce que je peux faire ça? Je peux, mais pas là. Waouh. Très marrant que je meurs maintenant. Le truc est dodo. Il est parti into dodo. C'est bon. Alors, de toute façon, je suis pas fan de la roulade, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus lente que dans la démo, peut-être. Peut-être plus de distance. Allez-y.
Allez, dis mousse. Ah là, ça arrive de tous les côtés. Si je me souviens bien, ça arrive en haut, en bas. On va se faire ce qui est en haut. Calme-toi direct, Toro, merci. Ensuite. Toi. Boum, boum. Petit creep là. Non. Ouais. Celui d'en bas. Il vient, non, il vient pas après. Viens, hop, 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 je suis là. Bon. Ah, j'avais pas capté qu'il y avait une attaque. Une attaque. Une attaque. Je cours et boum. Nice. En vrai, nice. Bon. Du coup, j'avais râlé pendant la démo qu'il y avait un mur invisible ici. Et bah, il est toujours là. Encore une fois, je me répète, peut-être que ça, à un moment, ça va sauter quand on avance dans le jeu. Parce que là-bas, on voit carrément quelque chose. Ça aurait coûté quoi de juste mettre un objet là-bas? Je passe pour un gros râleur, mais en vrai, voilà, c'est parce que vraiment, j'ai envie de kiffer le jeu. J'ai envie de kiffer le jeu et son exploration. Oui, le bar. Oh, Dimitri, il est sur le stream là ou pas? Je l'ai envoyé une invite. Il m'a envoyé un message sur Facebook, mais. En vrai, je peux lui répondre. C'est juste que. Vas-y, attends. Qu'est-ce qu'il raconte, Dim? Du coup, Dim, il est à l'hôtel, je crois, la semaine. Si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. On parle mieux là, y'a que toi. Ouais bah y'a que toi frère. Bon, on arrive au premier boss. First try ou pas? Bam bam. Bon. Ouais, on va aller là-bas vite fait. Un petit papier à lire encore. Là c'est pour nous dire que voilà, le maître du défilé, le qui est trop marrant, tout ça. 16 chansons joviales, rire enthousiaste et 54 phrases de défilé, frérot. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Non. Ouais. Petit Stargazer. Je voulais absolument pas faire ça, mais vous voyez, en fait, j'ai l'habitude d'ouvrir les menus avec triangle. Maintenant, je choke. Faut vite que je me remette en place. Utiliser boum, 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 voilà, boum, 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 boum. On va lui acheter des trucs. Je vais couper la parole parce que j'ai déjà joué à la démo, mais je vais quand même rester tranquille. Profiter. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone, you could use some help. Here's a festival gift for you. Il me parle d'un cadeau, mais frérot, il est où le cadeau? Nulle part. Bon, on va acheter des lames parce qu'on sait qu'on peut changer les manches, tout ça. Et on va monter de niveau. Pour le moment, ça... C'est quoi, ça? Ça fait beaucoup de dégâts. Genre, j'avais essayé de le lancer sur le boss. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. On va essayer sans. Pour Gigude, un peu. Mais j'ai quand même la flemme de le try plusieurs fois, donc on verra. Monter de niveau. Franchement... Je vais faire la pucie, je vais monter la vita un peu parce que ça augmente aussi le regain de garde, tout ça. Y a pas de raison. Allez, let's go. Premier boss. C'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai pas de souvenir qu'il y avait la musique pendant la démo.
Nice. Ding ding. Prenne mes habits, je suis dedans. Allez. Voilà. Ok, tu peux pas. Ça, ça va être compliqué de. Parade parfaite, quoi. Nice. Nice. Ouais, frérot. C'est ça en fait, l'arme elle est sale, genre elle a une portée genre de merde. Genre elle a vraiment une portée de merde là, l'arme. On rigole zéro. On va prendre une pote parce qu'en vrai. Tellement dommage. Ça va être Kebo dans sa truc là, c'est... Ouais là c'est juste mort. Ok ok, on va le faire calmement. Faut que je me remette à faire des bonnes parades. Là j'ai réussi à le mettre dans un état étourdi mais... Impossible de lui caler un coup. Mais parce que le moveset il est rincé franchement. Je pense que je vais essayer le mode facile de la démo en tout cas hein, pour le début, c'était cette arme. C'était la rapière. Parce qu'elle est rapide, tout ça. Mais là du coup je perds combien de dégâts? Je perds pas tant de dégâts que ça. Il y a le sabre aussi qui est pas mal. Enfin le moveset du sabre, je l'avais mis sur avec une grosse épée. Donc on va essayer avec le sabre en tout cas. Build de qualité, genre mais ouais. Allez go. C'est qu'avec le sabre tout ça, avec les petites lames, on fait moins de dégâts de posture. Bon allez vas-y. Ces attaques, j'arrive juste jamais à les... Nice. C'est tellement mieux sous tête. C'est vraiment la pire attaque. Nice, vas-y, 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 on va arrêter de juste un gridou. Ah ouais, les esquives, maintenant ils glissent un peu par terre, stylé. Ah là, j'avais pas le choix. Nice. Allez. Ah, j'ai essayé. J'ai encore essayé. Ah.
Parce que j'essaye trop de faire des parades parfaites et du coup, je vais continuer, je pense. Parce que c'est le plus simple sur le long terme, je pense, de gérer les parades parfaites. J'avais pas galéré autant pendant la démo. Si je galère maintenant, le troisième boss, ça va être l'angoisse. La première partie elle est bizarre. Arrête de couler comme un porc. J'arrive jamais. J'arrive jamais à le. Finito ou pas? Finito. Boum. T'es fou maintenant. Ah, je pense qu'on va rester avec cette arme, hein, mais du coup c'est un build. Je vais continuer à build la force quand même. Parce que là c'est mi-force, mi-qualité. Mi-fig, mi-raisin. Archi drôle, bref. C'est par là-bas? Ouais. Alors. Maintenant j'ai vu les trailers, donc j'ai vu que ces trucs là c'était des ennemis. Mais je l'avais call direct. Ça allait être des mobs élites ou des mini-boss. C'était sûr. Catalyseur de fable. Ça c'est bien en vrai. Faut s'en servir. Là j'ai pas forcément besoin. Mais... Ok, ça va se casser. Grand luxe que vous n'ayez jamais connu. Allez. One more thing I should mention. Hi. The hotel security excludes puppets like you. Oh. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Ça marche, ça marche. Bah, on va mentir tout le jeu, de toute façon, hein, je vous annonce. Il y a sûrement une fin. Full mensonge, une fin full vérité, ou en tout cas avec un avec une valence plus vers la vérité et une fin full neutre. Ça va être la plus chaude à avoir la fin neutre. On va faire autant de mensonges que de vérité. Ah, le jeu il tourne vraiment bien. Pour un jeu day one. Je vais commencer à lui rajouter de l'endu. Pierre de lune cachée pour améliorer les armes. Fourth law. A puppet cannot lie.
Merci. Yoroshiku negaishimasu. Il faut que j'ouvre la porte quand même. Vas-y, ouvre la porte. Ça y est, on est plus ou moins à l'icheveux. Voilà, ceux qui savent. Ah nice, vas-y, il n'y avait pas ça dans la démo, let's go. Je me tais. Ah bah du coup c'était un humain. Franchement il mérite un petit round d'applaudissements. Après c'est pas un studio indépendant, c'est un studio qui faisait je crois beaucoup de MMORPG coréen machin, peut-être des gachas. Donc il y a un peu de thunes quand même à un endroit, à certains endroits. Mais c'est leur premier Souls-like. Et on verra, on va pas donner cash son avis. I'm so happy to see you. Je sais pas si c'est possible qu'il y ait un PNJ moche en fait dans le jeu. Searched all over the city of Croft to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Croft is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Ok. Look at pas tout de suite. I think he's in shock. Jimmy is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Ok, ça pareil, on va le mettre dans les objets utilisables. À la place de ça, genre ça franchement provoque la mort immédiate du personnage. Ça marche. Peut-être c'est une utilité, mais bon. Ils ont pas allé lui parler vite fait. I heard about you from Geppetto, but to see you in person, wow. You should take this.
Geppetto left it with me. Ah ouais, c'est le meilleur truc, ça. Grappin. On va refaire un petit tour, même si pendant la démo, j'ai fait 15 000 tours. Bon, on sait jamais. Ok. Ok, elle peut m'améliorer des armes. Welcome to Hotel Crab. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Crab, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Crab. How may I be of service? Un chasseur de trésors, mais ça veut. Ça veut dire qu'il faut que je le garde. En vrai, ouais, je vais le garder. Tant pis. Pendant la démo, je les avais trucs parce qu'en vrai, voilà, mais. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law, a puppet may not harm humans. Third law, a puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law, a puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Daijoubu. Attends, ils vont quoi sinon? Welcome. Ouais, les mêmes trucs que pendant la démo aussi. Des trucs qu'on trouve de toute façon un peu partout, donc pas me prendre la tête. On va aller taper la discute. Ok, l'hôtel Krat est l'un des bâtiments les plus sordides et mystérieux. Selon la légende, l'hôtel Krat est un château isolé qui a été construit par un aristocrate dévoué à une forme d'occultisme après avoir eu une révélation prenant la forme d'un arbre rayonnant. Ok, je crois que c'est ce qu'on avait vu dans un des trailers qu'ils ont publié. Pendant un temps, il a servi d'asile psychiatrique et certains malades ont affirmé avoir été victimes d'hallucinations. Ah bon? Ah bon? Donc ici c'est un asile psychiatrique, ça va. Surtout le fait d'être si loin sous terre ne fait qu'aggraver la rumeur. Certains ont même dit que cet endroit était connecté à un enfer. Donc il y avait un asile psychiatrique sous terre, sous cet hôtel. Ça va partir une tout donjon, c'est sûr. Pour le moment, ces rumeurs ont donné charme à l'hôtel Krat, rénové dans un style contemporain, alors que les récentes rumeurs... Waouh, ok. À un moment, il y aura un donjon là-dessous, c'est sûr. En tout cas, je l'espère. Ensuite, un commentaire pour vous. Madame Antonia, un hôtel fantôme, j'ai très souvent... Ah, ok. Ok, ok. Bah, Antonia, qu'est-ce que tu racontes? Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia, and this is my hotel. Welcome. To the Hotel California. I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story, but I think it's better off with you. Please find that old man, and do take care of yourself out there. Ok. Une nouvelle sap. Allez, c'est parti.
Oh, il y avait un truc, tu montes tes habits devant elle. It suits you. For a moment there, you look just like... But forgive me. Ça, je l'avais lu sur le Reddit, mais du coup, il y aura sûrement des trucs similaires. When you get to my age, your memories are like good friends. And just as distracting. Donc Antonia, t'es en fin de vie, c'est ça? Et tu mates une photo de Watt, j'imagine, à l'ancienne. Ah, c'est beau. Non, franchement, c'est beau. On peut même jouer au piano. Alors, il joue pas bien au piano. Mais il y a peut-être moyen que plus je mens et plus je deviens humain parce que le mensonge est quelque chose d'humain. Lololol. Peut-être qu'il va commencer à jouer du Chopin. Il y a des chances. Et là, si je me rappelle... Non, alors ils l'ont enlevé. Mais il y avait un livre à lire ici. Oh. Petit tour du proprio, là. Ouais, l'ergo rare, on va le garder, hein, parce qu'on sait pas en vrai. Si c'est un truc comme les âmes dans Dark Souls, voilà. Ah! Ok, donc ça c'est l'entrée de la rue Rosa Isabelle, c'est autre chose, ok. Dans le trailer, donc c'est une autre partie de donjon du coup. Donc ici c'est le bureau de Gepetto, y a rien encore. Voilà, verrouillé. Bon, on va monter de niveau et ce qu'on va faire pour que ça soit plus simple pour moi, c'est qu'on va arrêter le stream et on va le reprendre en fait. Juste pour que ça me facilite le découpage quand je le poste sur YouTube. Voilà. On va vite fait. Ah, attends, il y a peut-être quelque chose ici, mais je pense pas. Normalement, il y a juste deux trucs qui nous permettent de nous entraîner. J'ai l'impression que le timing il est moins énervé que dans la démo. Ça a l'air. Je peux le faire un peu plus avant peut-être, franchement, mais le tamis il est tellement serré, genre, quand je dis serré, c'est serré, hein. Que c'est compliqué de capter ou pas, bref. On va aller améliorer l'arme, je pense que je vais rester avec cette arme pour le moment avant de trouver une arme lourde. The sound of it alone, that craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Ouais. Alors, ah oui, maintenant on peut altérer la poignée. Bon, je sais pas ce qu'il faut. Alors, vous pouvez apporter des manivelles à Eugenie pour altérer les poignées d'armes. Les propriétés de chaque poignée, oui, parce que c'est la poignée en fait de l'arme qui définit le scaling de l'arme. Scaling des dégâts, pardon. Néanmoins, non. Avec une manivelle équilibrée, réinitialisée, donc faut quand même en trouver quoi. Pour le moment, on n'a rien. On peut juste améliorer les lames. Donc. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'améliorerait pas cette lame-là pour le moment? Parce que celle-là, elle est bien, mais je vais pas l'utiliser de sitôt. Vas-y, on va améliorer celle-là. Voilà. Allez, elle a encore des choses à me dire à propos du Stargazer. Elle a un drôle d'accent, je saurais pas dire, parce que bon, je suis français.
mais elle a un accent bizarre. Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. We can put them to use. Elle a un accent bizarre. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The stalkers captured a puppet to use. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. ça roule, bon, Cimer. On monte de niveau et on reprend juste le stream après, alors. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Bon. Donc, pour la première partie, on en a fini. Donc on va reprendre. Alors, attends. Donc je choque. Je reviens dans 5 minutes. Démarrer l'enregistrement. Puis en direct. La bise.